Bonjour à tous, bienvenue en Valais. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un endroit très très particulier, une des vallées les plus sauvages du Valais, la vallée de Derborance. On va monter en bus, en car, c'est le plus spectaculaire. Comment tu disais de ce côté là-bas côté, quand il y a eu le tor, les grosses en Suisse, il y a eu ici sur 300 mètres de long une avalanche de poudreuse qui est descendue et qui est arrivée 150 mètres de l'autre côté. Qui a complètement recouvert la route. Il n'y a plus d'arbres. Sur 300 mètres linéaires comme ça, vous verrez, il y a de la nouvelle végétation. D'accord. Ça a repoussé. Ça repousse gentiment. Ouais, ça repousse. La nature, elle reprend toujours ses droits de toute façon. Hein. Oui. Tu peux faire ce que tu veux, c'est elle qui commande. Tout à fait. Merci beaucoup, Josie, pour votre gentillesse. Mille merci. Et plaisir. Puis bon travail. Merci. Et bravo. Au revoir. On est arrivé. On est passé la ceinture blanche et maintenant on va aller rendre visite à une amie que je n'ai pas vue depuis en tout cas 35 ans. Alors vous allez voir, c'est un endroit magique. Mais bonjour, salut Marie-Hélène, on s'embrasse. Voilà, alors Jean-Jacques, merci en tout cas de nous recevoir, c'est vraiment, vraiment chouette. On est très heureux, c'est un privilège parce que je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir des parents avant nous qui nous ont fait ce magnifique endroit. Le lac ici, c'est mon père, je dirais les trois quarts, qui l'a vidé un petit peu des arbres, des racines, des troncs. On devait les boucher des trous pour pas qu'ils perdent trop. Hein. Ouais, bien sûr. Ensuite, il a mis des cailloux à peu près tout le tour du lac pour l'agrandir. Et maintenant, c'est vrai que c'est un endroit magnifique. Oui. On reconnaît. Hein. Ah oui, ça on apprécie énormément. Le soleil est différent cette période que l'été et le printemps. On a le soleil qui se couche là, par exemple. Il y a les soirées là maintenant qui sont magnifiques. T'as le soleil hier au soir à 6h qui nous donnait ici devant, on avait beaucoup de soleil là, c'était... Mais là vous êtes au paradis. Ah non, non. Hein, ça c'est vrai, c'est un paradis. Mais nous on sait parce qu'on se plaît tellement là. Ouais, que, je pense. Voilà. On voyage très peu parce qu'on est tout le temps là, quoi. On est tout l'été. Ah bah vous n'avez pas besoin d'aller au bout du monde. Non, hein. Non, pas du tout, oui. Merci beaucoup Olivier pour cette raclette, c'était vraiment sympa. On est très contents d'être venus chez vous. On a été très bien reçus, évidemment, comme d'habitude. Hein. Je voulais te dire, j'aimerais savoir comment ça fonctionne chez vous à Derborance, le Mayen. Le Mayen, c'est le lien avec le mois de mai. Alors, le bétail, la transhumance. Alors, en effet, historiquement, ici, bon, on est à Montbas, dans la vallée de Derborance. Et Montbas, c'est les chalets de ceux de Vétro. Avant, Vétro et Comté, c'était la même commune.
jusqu'en 1862. Et les gens par village allaient soit au Mayen de Mi, soit au Mayen de Comté, soit à Derboran, soit à Momba. Momba, c'était que des gens de Vétro, Momba dessus. Oui, il y avait donc des liens comme ça entre les villages. Tous les gens du même village avaient les chalets au même endroit. Ah, voilà, c'était plutôt comme Parce qu'il y avait des échanges de territoires. Non, mais c'est par les mariages, peut-être les mariages. Des fois, on pouvait hériter d'un chalet qui était peut-être de son village. Mais ici, historiquement, c'était que des gens de Vétro. Le but de ces Mayens, c'était pas faire des vacances, c'était pour les vaches. Ça veut dire que c'était important d'avoir des prés pour un stade intermédiaire avant de monter à l'alpage. L'alpage est prêt fin juin, et puis il fallait pouvoir monter le plus vite possible. Et les Mayens, comme on dit les Mayens, permettaient de monter les vaches déjà à la mi-mai. Et les mi-mai, jusqu'à fin juin, ils restaient dans les Mayens. Donc si je comprends bien, l'idée c'est de pouvoir utiliser toutes les altitudes au maximum, voilà, une rentabilité maximale. Voilà. Donc au mois de mai, l'herbage il est prêt à mi-hauteur. Mm-hmm. Donc on est au Mayen au mois de mai. Ouais. Et ensuite, petit à petit, comme la saison avance... Après on peut mettre les vaches à l'alpage. Après on peut mettre les vaches à l'alpage. Et ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Dans l'autre sens aussi, au mois de septembre, quand il n'y a plus d'herbe dans les alpages, ici, l'herbe, elle a repoussé, donc on remet les vaches avant de redescendre à la maison. On remet les vaches ici au mois de septembre, octobre. Ça, c'est une photo de 1929 de Momba. C'est la plus vieille photo que j'ai pu trouver sur Internet, donc qui est prise depuis Lodz, comme ça. Hein. Mm-hmm. Ce qui est frappant, c'est qu'on ne voit pas de forêt. Mais non, alors ça m'étonne, il n'y a pas un seul arbre. Mais pratiquement... là, on a déjà la forêt, mais ce n'est pas de la forêt qui date d'hier. Hein. Donc tu veux dire que cette forêt-là... Depuis qu'il n'y a plus les vaches... La forêt est venue toute seule. Ça veut dire, jusque dans les années 70, il y avait les vaches qui venaient, qui mangeaient l'herbe, qui mangeaient partout. Et bien, la forêt n'est pas venue. Dès qu'il n'y avait plus de vaches, en 10 ans, les arbres et la forêt a poussé. C'est fou, hein? Incroyable. Là, on est dans la montagne. On n'est pas à très haute altitude. Nous sommes ici à peine autour des 1400 mètres d'altitude. Ah, n'est bah, pas ça donne très l'impression haut. D'être plus haut à cause du cirque montagneux tout autour. Voilà, c'est ça. Et puis, ben, c'est la végétation qui fait aussi penser à ce qu'on a gagné de l'altitude. Hein. Regarde l'importance des cahiers, c'est beau. On se trouve ici au cœur de l'éboulement d'Herborance, en présence de très gros blocs. Hein. Ces blocs sont partis de là-haut, de la tête de Barme qui est juste sous les Diablerets, à 3200 et quelques mètres. Et en 1714, c'était au mois de juin, je ne sais plus si c'était le 23 ou le 26, bref. Et voilà, tout ça a basculé sur plusieurs kilomètres. Et ici au fond, on a précisément ces gros blocs amoncelés. Que vous avez vu, il y a plusieurs pyramides qui se succèdent là. Donc ça, c'est le lieu où on appelle la tour. La tour, d'accord. Précisément. Et pourquoi ce blanc comme ça c'est précisément la formation de ce calcaire gypseux qui est toujours... ce calcaire est toujours blanc. Hein. C'est friable, ça se délite facilement. C'est donc calcaire et la flore, les plantes qui s'installent là-dessus sont... strictement inféodé au calcaire. Au calcaire. Hein?
Là, tout à l'heure, nous avons vu la dryade à 8 pétales. Oui, j'ai c'est vu. C'est typique du calcaire. Maintenant, ça me fait un peu souci parce que je vois ce précipice terrible. Oh. Et puis je me dis, je vois cette roche que vous montrez, que vous arrivez à casser comme de rien. Et ça m'inquiète quand même un peu. Alors, je me dis, on devrait peut-être partir d'ici parce que c'est un peu dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a de l'érosion, c'est sûr. Il y a de l'érosion. Avec le gel et dégel, le gel, on sait, fait sauter la roche. Alors, chaque année, il y a des bouts qui tombent. En fait, on m'a donné la responsabilité d'un service de recherche sur les plantes aromatiques et médicinales. C'était en 1981. Pourquoi? Parce que dans ces années-là, on pensait que en montagne, pour garder la jeunesse à la montagne, la culture des plantes aromatiques pourrait être un frein à l'exode rural. Ah, c'est une bonne idée, ça, tiens. C'était ça, l'idée. C'est limiter l'exode rural. On arrive au thym. Et le thym, est-ce qu'il y en avait chez nous, du thym? Non, il n'y en a pas chez nous, du thym. Il y a du thym chez nous. L'été, nos prairies fleuries recèlent du thym, mais ce n'est pas la bonne espèce. C'est pas la bonne espèce, oui. Le thym qui est recherché, le thym des droguistes, des pharmaciens, c'est le thym vulgaire. Mm-hmm. Et le thym vulgaire, à l'état spontané, on le trouve en zone méditerranéenne, surtout le pourtour méditerranéen. D'accord, donc pas chez nous. Donc pas chez nous. Et par exemple, pour l'Italie, il descend jusqu'à Rome. Mmh. Et il monte jusque dans les Alpes Ligures. De là, il saute toute la plaine du Pô, il n'y en a pas à Turin, et on va le voir renaître dans le coude de Saint-Vincent en Vallée d'Aoste. Mais non. Ouais. Alors Jean-Michel, merci beaucoup. En tout cas, on a passé une excellente nuit. C'était vraiment top. On était, comme on dit chez nous, aux petits oignons. Hein? Merci beaucoup. Tout le plaisir, c'est pour moi. Je voulais te demander, tu es le gérant ici de l'Auberge du Lac depuis quelques années maintenant déjà. Voilà, oui. J'ai repris le Refuge du Lac depuis 2017, au mois de mai, au début de la saison. C'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Donc on a tout transformé. Et puis aujourd'hui, on arrive bientôt au bout de tous ces travaux, des gros travaux qui ont été faits. Et on accueille les gens, les randonneurs et tout ça, quoi. C'est un refuge qui est quand même un très beau refuge. Hein. J'ai visité les dortoirs, c'est vraiment un très beau refuge. C'est très, très propre, très bien organisé et on y mange très bien, entre autres. Hein. Essaye de faire ce qu'on peut. Non, pas toujours non, facile, non, non. Mais voilà, quoi. J'ai trouvé le Sérac extraordinaire. Hein. Il vient d'Alpage, il vient d'Alpage à côté. De Pointet. Donc tout ça, c'est des produits locaux? Toujours. Hein. La majeure partie des cas, c'est des produits locaux. Ouais. C'est bien, toujours avec les gens du coin. Je crois qu'il faut favoriser l'échange avec les commerces et les producteurs de la région, que bien ce soit sûr. Au niveau du vin, de la fourniture de fromage, des produits du terroir, quoi. Ce qu'on fait, je pense que c'est facile à faire pour tout le monde.
Stéphanie, je suis très contente d'être là. Tu es la garde-site du lac, on peut dire ça oui. comme ça. Ce n'est pas un métier très facile, hein. Ce n'est pas non. très simple. Hein. C'est pas tous les jours. Pas tous les jours. En tout cas, je te remercie. Je sais que tu fais. Je disais l'autre jour, je disais voilà, on a on peut avoir de la lecture avec des mots, avec des lettres, des phrases, mais aussi on a la lecture du paysage. Si oui. tu arrives peut-être à nous expliquer comment ça fonctionne, parce que je vois qu'il y a vraiment un paysage et une végétation très étrange. Oui, alors le coin où on se trouve, en fait, c'est un bout de zone alluviale. C'est là où tous les cailloux de la montagne que tu as derrière toi, ils sont supposés arriver ici. Et puis c'est un endroit où il y a aussi beaucoup d'eau. Donc niveau paysage, tout ce que tu as en bosquet, c'est surtout du saule. Et puis comme les cailloux n'arrivent plus ici, tu as toute la forêt qui peut pousser. Et puis c'est très plat et c'est justement un endroit où tout va se déposer. Alors tu me disais, le cerf, donc maintenant on est bientôt dans le brame du cerf. Hein. Bientôt, oui. Bientôt. Ouais, le brame du cerf, c'est quand il commence à s'agiter sexuellement, c'est un peu ça? Oui, le brame, il cherche ses copines. Il appelle. Il appelle, d'accord. Il prévient que c'est les siennes, et puis en fait, il commence à s'exciter un petit peu avant quand même. D'accord, il s'agite un peu avant. Puis là, il a déjà commencé parce que la testostérone, elle monte. D'accord. Donc ça, c'est ce que, là-bas, sur la branche, c'est ça qu'on voyait tout voilà. à l'heure. Ouais, sa testostérone qui se... Il va se décharger sur le tronc. Quoi. Sur le tronc. Il en attendant, là-dessus, de trouver ouais. mieux. Ouais. Et là, il vient, on voit qu'il y a une dépression comme ça, oui. une petite dépression. Oui, oui. En fait, là, il vient se faire tout beau, quoi. D'accord. Il vient se rouler dans la boue? Il vient se rouler dans la boue, il met ses petites odeurs dans la boue, après il se roule dedans. Et puis, c'est un endroit où il l'utilise chaque année. Ciao Ginette, salut. Comment vas-tu? Comment tu vas? Je suis contente de te voir, ça me fait plaisir vraiment. Oui. Merci de nous recevoir, c'est gentil. Mais avec plaisir. On va vraiment vous montrer la migne. Bah oui, la migne. Le raisin, la cave, et puis peut-être un peu de rouge quand même. Tout, la totale. Ouais. D'accord, alors. Parfait. En tout cas, c'est superbe, on est très heureux. Je vois que on a toute notre gamme là. Magnifique. Qui est montée. Très beau, très élégant, c'est très chouette. Alors écoute-toi, si on dit que celui-là, c'est un vin qui est à mi-chemin entre vous, entre nous et Aoste. Ah oui, on peut dire entre ça comme le centre du Valais ouais. et Aoste, comme le Wedge avant, c'est le Gamay Vespé, il est sur la route, la route du sud vers Aoste. Alors il y a deux amines, il y a la mine de Grand Cru avec la bouteille Grand Cru du Valais maintenant, parce que la bouteille Grand Cru Vétro est devenue Grand Cru du Valais. Ah bon? Amine de Vétro avec une abeille. Et puis on peut faire une, deux ou trois abeilles. Donc ça fonctionne comment? Une abeille, ça veut dire qu'elle est légèrement plus sèche. Plus tu as d'abeilles et plus tu montes en sucre. Exactement. C'est ça? Donc il y a une échelle de trois abeilles. Mm-hmm. L'amine d'une abeille, elle est plutôt sèche. Et l'amine deux abeilles, qui est la plus demandée, elle est douce, un peu douce, moelleuse. Moyennement. Mais avec douce. Une belle acidité, une belle fraîcheur. D'accord. Voilà.
Voilà, c'est le cépage Amigne. C'est des raisins qui sont allongés, on peut les voir là comme ça, qui sont paripennés, et puis les grappes lâches, elles ne sont pas serrées, les graines. Et ça, ça mûrit beaucoup avec des petites graines. C'est ça l'Amigne, ça c'est le cépage unique de Vétroux. Alors Olivier, on est à Vétroux maintenant. Alors hier, lorsqu'on était à Derborens, on était chez toi, c'est ton endroit de cœur, mais ce n'est pas ta commune dont tu es président. C'est vrai, avant c'était ensemble, Vétroux comptait, puis depuis 1862, on est séparés, donc maintenant on est à Vétroux dans la commune que je préside. D'accord, donc hier on était chez nos amis comtaisans, et aujourd'hui on est à Vétroux, nos voisins et amis, et aujourd'hui on est à Vétroux. C'est ta commune dont tu es président, mais tu n'es pas que président de la commune. Tu as la double casquette puisque tu es aussi président de la bourgeoisie. Exactement. Donc dans toutes les communes valaisannes, il y a les communes et les bourgeoisies. Mm-hmm. La bourgeoisie, c'est, on peut dire, la première forme d'organisation communautaire dans un village. Avant qu'il existe les communes politiques, il y avait déjà des bourgeoisies. Ça veut dire les gens natifs de l'endroit avaient ce nom de bourgeois et ils possédaient des biens, les biens communautaires qui étaient au nom de la bourgeoisie. Donc ils étaient chaque fois copropriétaires et ça se transmettait de père à enfant, ce droit de bourgeoisie. Donc ça n'a rien à voir, ce qu'il faut dire, c'est que ça n'a rien à voir avec la noblesse. La bourgeoisie, c'est vraiment les habitants du bourg qui vont avoir des moyens économiques et qui vont pouvoir négocier des privilèges et se mettre ensemble et s'associer dans une première communauté villageoise, par exemple. Voilà. Et de gérer des biens qu'ils avaient en commun. Hein, donc, ça peut être des forêts. Dans l'ancien temps, c'était bien important, sûr, les forêts, les pâturages. L'eau, les droits d'eau aussi. Oui, un peu moins les droits d'eau. Parce qu'avant, il y avait moins, enfin, la force hydraulique, c'est venu plus tard, mais les droits d'eau pour l'irrigation, en effet. Et puis, certaines bourgeoisies ont plus de moyens que d'autres. Certaines bourgeoisies ont des bâtiments historiques. C'est le cas ici, parce que bâtiment, il est magnifique. Hein. À Vétroux, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a un bâtiment historique qui est en main de la bourgeoisie, qui n'était pas en main de la bourgeoisie à l'origine. Si je fais un peu l'historique de ce bâtiment... Mais qui a été racheté par les bourgeois. D'abord, c'était une bâtisse administrative de l'abbaye de Saint-Maurice. Il faut savoir que Vétroux était un territoire de l'abbaye de Saint-Maurice depuis le Moyen-Âge jusqu'en 19e siècle. Voilà, alors l'église d'Ardon, on va entrer par le clocher. Le clocher, c'est ce qu'on appelle un clocher porche. D'habitude, souvent, les clochers sont accolés aux églises. Et là, on va entrer par le clocher et on va aller dans le site archéologique qui est en dessous. Voilà, alors on a fait un grand tour, on a eu la chance d'avoir le grand beau temps. Nous avons fait les Coteaux du Soleil, Ardon, Vétroux, Comté, nous avons fait les trois coteaux. Et voilà, nous vous remercions, c'était un plaisir de vous accompagner. Et puis à très bientôt, revenez nous voir, on vous attend.